dernière tentative. Good morning, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin on va organiser une petite excursion de Hoi An. Alors le premier stop ça sera le sanctuaire Maison. Alors le sanctuaire Maison c'est quoi? C'est un sanctuaire avec des temples hindouistes. Voilà, mais ce ne sont pas que des temples puisque ce sont les vestiges de l'ancienne civilisation des Cham qui a disparu aujourd'hui. D'ailleurs il y a aussi un musée, et c'est le seul, je crois, le plus grand musée au monde avec plein de pièces en fait qu'ils ont trouvées là-bas. D'ailleurs c'est un explorateur français, un archéologue français qui a organisé les fouilles je sais plus quand. Bref. Voilà, et ce qui est intéressant dans ce site, c'est que c'est un site magnifique dans le sens où il est sur une plaine avec des collines, la végétation, etc. Donc voilà, ça sera le premier stop. Et le deuxième stop, ça sera un peu plus marrant. Les enfants, je crois qu'ils vont adorer. Le deuxième stop, ça sera d'Anang. On va aller à Bana Hill. Bana Hill, je vous en parle tout à l'heure, ok? On va d'abord faire Maison et ensuite je vous parlerai de Bana Hill tout à l'heure. We are in the jungle. We are in the jungle. Deuxième stop, direction Bana Hill. Alors Bana Hill, c'est situé sur une colline à 1500 mètres d'altitude. En gros, les colons français, quand ils étaient au Vietnam, ils supportaient pas la chaleur. Donc du coup, voilà, ils ont tout simplement créé un petit endroit où se réfugier durant les week-ends et autres. Donc pour y accéder, vous devez prendre un téléphérique le plus long du monde. Je ne sais plus combien de temps ça dure, mais voilà. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous avez plusieurs attractions. Il y a une reproduction d'un village français, un musée de cire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de beaux points de vue sur la ville de Da Nang. Et surtout, voilà, c'est quand même exceptionnel d'être à 1500 mètres d'altitude. Il fait super frais. 10 à 15 degrés de moins que qu'en bas. C'est pour ça que je filme plus les introductions, je vous explique rien du tout. Vous avez directement le... Voilà, parce que je recommence 10 000 fois. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie en plus, donc direction voilà, Bana Hill. Et l'une des dernières attractions qu'ils ont fait, je pense que vous l'avez peut-être vu sur un Instagram puisque c'est très connu, c'est un long pont, ils appellent ça le Golden Bridge, avec qui est soutenu par les deux mains de Bouddha. Voilà, allez, direction Bana Hill. Donc comme dans beaucoup de pays, vous avez un prix pour les locaux et un prix pour les étrangers. Donc nous, ce qu'on va prendre, on va prendre un combo. On a demandé à voir le menu. Et en fait, si vous prenez le combo, vous avez donc l'entrée plus un buffet à volonté. Voilà.
tentative. Good morning, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin on va organiser une petite excursion de Hoi An. Alors le premier stop ça sera le sanctuaire Maison. Alors le sanctuaire Maison c'est quoi? C'est un sanctuaire avec des temples hindouistes. Voilà, mais ce ne sont pas que des temples puisque ce sont les vestiges de l'ancienne civilisation des Cham qui a disparu aujourd'hui. D'ailleurs il y a aussi un musée, et c'est le seul, je crois, le plus grand musée au monde avec plein de pièces en fait qu'ils ont trouvées là-bas. D'ailleurs c'est un explorateur français, un archéologue français qui a organisé les fouilles je ne sais plus quand. Bref, voilà, et ce qui est intéressant dans ce site, c'est que c'est un site magnifique dans le sens où il est sur une plaine avec des collines, la végétation, etc. Donc voilà, ça sera le premier stop. Et le deuxième stop, ça sera un peu plus marrant. Les enfants, je crois qu'ils vont adorer. Le deuxième stop, ça sera d'Anang, on va aller à Bana Hill. Bana Hill, je vous en parle tout à l'heure, ok? On va d'abord faire Maison et ensuite je vous parlerai de Bana Hill tout à l'heure. We are in the jungle. We are in the jungle. Deuxième stop, direction Bana Hill. Alors Bana Hill, c'est situé sur une colline à 1500 mètres d'altitude. En gros, les colons français, quand ils étaient au Vietnam, ils supportaient pas la chaleur. Donc du coup, voilà, ils ont tout simplement créé un petit endroit où se réfugier durant les week-ends et autres. Donc pour y accéder, vous devez prendre un téléphérique le plus long du monde. Je ne sais plus combien de temps ça dure, mais voilà. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous avez plusieurs attractions. Il y a une reproduction d'un village français, un musée de cire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de beaux points de vue sur la ville de Danang. Et surtout, voilà, c'est quand même exceptionnel d'être à 1500 mètres d'altitude. Il fait super frais. 10 à 15 degrés de moins que qu'en bas. C'est pour ça que je filme plus les introductions, je vous explique rien du tout. Vous avez directement le... Voilà, parce que je recommence 10 000 fois. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie en plus, donc direction voilà, Bana Hill. Et l'une des dernières attractions qu'ils ont fait, je pense que vous l'avez peut-être vu sur un Instagram puisque c'est très connu, c'est un long pont, ils appellent ça le Golden Bridge, qui est soutenu par les deux mains de Bouddha. Voilà, allez, direction Bana Hill. Donc comme dans beaucoup de pays, vous avez un prix pour les locaux et un prix pour les étrangers. Donc nous, ce qu'on va prendre, on va prendre un combo. On a demandé à voir le menu. Et en fait, si vous prenez le combo, vous avez donc l'entrée plus un buffet à volonté. Voilà.